Guru Nityananda, Guru Nityananda,
Alors, Rasalila. Oui. Qu'est-ce que tu nous dis? Alors, on va parler ce qui était prévu, c'est les six documents de Krishna. Les six opinions de Krishna et puis en général et puis normalement le programme c'était pour parler d'une opulence en particulier qui vous affectionne le plus. Donc le programme c'était. Alors on parle pendant combien de temps? Alors pendant 15 minutes chacun. Et puis après, il y aura des questions-réponses, sessions de questions-réponses. D'accord. Ok. Nita Gaurasundar, tu veux commencer ou? Ah non, tu as la priorité, Prabhu, Maharaj. C'est toujours les mêmes qui s'y collent. Ouais. Bien que comme président, tu avais l'habitude aussi de donner la classe à Paris, bien sûr, pendant des années. Allô, bonjour les amis, ça va bien, ça fait longtemps. Hein. Bonjour aussi, bonjour à la salle. Voilà, on a un visage. Ouais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais nous, on est tout flou, je ne sais pas pourquoi. Ouais, on est tout flou. David, la dernière fois que je t'ai vu, c'était avec Shri Labodayan Maharaj chez toi. Oui, c'est avec, à avec Bindu, ça veut dire il y a combien d'années? Il y a 15 ans, non? Non, il y a moins il y a 10 ans peut-être. 10 ans. Non. Bah, ça devait être 2011, 2012, quelque chose comme ça, puisque. Donc ça fait 12, ça fait 11 ans. Oui, puisqu'on avait fait le Parikram ensemble et c'était en 2010. Donc c'était après. Oui, parce que Bindu, il a déjà quitté son corps il y a deux années et c'était Bindu qui m'avait amené chez toi. Ouais, il y a combien d'années? Il y a combien d'années qu'il est parti, Bindu? 3 ans. Oh, plus que ça, je pense. Non. 3 ans, 4 ans. Ouais, 3 ou 4 ans. Mais je pense 3 ans. Le temps passe tellement vite, toi. On est déjà lundi à nouveau. Ah, c'est lundi à nouveau. La semaine est déjà passée. Donc, on parle des opulences de Krishna. Je pense, si je ne m'abuse, que c'est Parashara Muni, le père de Vyasadev, qui a défini le mot Bhagavan, un des noms de Krishna, comme celui qui possède 6 bhagas. Les bhagas, c'est les opulences. Dans l'introduction, je pense, du Bhagavatam ou de la Bhagavad Gita, un professeur français, il avait dit, oui, le Seigneur bienheureux, Bhagavan Sri Krishna, c'est celui qui a la bonne part. Parce que bhaga, c'est ça, c'est les opulences, donc celui qui a la bonne part. Donc Bhagavan, il est spécialement appelé comme ça parce qu'il a 6 opulences à la perfection. Chacun d'entre nous, on a une certaine beauté, une certaine renommée, une certaine intelligence, une certaine richesse. Si vous regardez les magazines que tout le monde regarde, les People Magazine,
les gens beaux, riches et célèbres. Hein? Quelle que soit la latitude, quand je voyage, tout le monde lit ça, que ce soit dans l'avion ou partout. Donc, beauté, et la beauté, c'est la première chose qui attire. Beauté, richesse, renommée, puissance, sagesse ou connaissance, et une opulence auquel on ne pense pas souvent, surtout en Occident, c'est le détachement, le renoncement. Par exemple, une statue de Bouddha assis en lotus, tout décharné parce qu'il a fait une ascèse poussée, ça attire quelque part parce que c'est le détachement, le renoncement. Ça nous parle quelque chose intérieurement, profondément. Alors, donc, si on rencontre quelqu'un qui a ces six qualités, ces six opulences à la perfection, eh bien, c'est bien simple, c'est Dieu que vous avez en face de vous. Nul autre que lui. Parce que personne ne peut rivaliser avec lui dans ces six domaines. Et donc, le nom Bhagavan veut dire spécifiquement celui qui possède à la perfection ces six opulences et qui en est la source. Non seulement il les possède, mais il en est la source. Personne n'est aussi puissant, beau, riche, célèbre. Même les athées ne peuvent pas s'empêcher de parler de Dieu. Donc, qui peut être plus célèbre que lui? Puisque même ceux qui ne croient pas en lui, ils n'arrêtent pas de déblatérer sur lui. Mais personne ne peut s'empêcher de parler de Dieu. Il est le plus célèbre. Ouais. Et d'un autre point de vue, Rupa Goswami il nous apprend qu'il y a différentes formes de Dieu. On sait que Krishna Stus Bhagavan Swayam, comme dit le deuxième chapitre du Bhagavatam, il est Dieu, la personne suprême. Il y a toutes sortes d'avatars, ils sont innombrables, comme les grains de sable ou comme les vagues de la mer. Mais de toutes les formes divines, Krishna est la source. Il est Bhagavan Swayam, il est directement Dieu, la personne suprême. Et de lui émanent toutes sortes d'expansions, comme Vishnu, les trois Vishnu, Mahavishnu, Garbhodakshayi Vishnu, Kshirodakshayi Vishnu, qui viennent en cœur de chaque être et dans chaque atome pour que la matière soit réelle. Sinon, sans sa présence, ce serait complètement irréel, non, vide. Donc, Vishnu, il est une de ces expansions. Et ensuite, tous les avatars, Ram, Nishringa, Varaha, Kurma, et les Guna avatars, ceux qui sont en charge des trois Gunas, et les Lila avatars, ceux qui descendent, et les Yuga avatars, toutes sortes d'avatars, innombrables. Mais Krishna est la forme originelle. Et on dit que Il a quatre qualités que personne d'autre n'a. Par exemple, il a une forme merveilleuse, Rupa Madhuri. Ces quatre spécialités, on les appelle les Madhurya. Donc, il a Rupa Madhuri. Même l'épouse de Narayan, la très chaste Lakshmi, qui est toujours au pied de son époux, elle voulait à participer à la danse rasa. Lorsque Chaitanya Mahaprabhu était dans le sud de l'Inde, il a passé la saison des pluies chez Venkata Bhatta, qui adorait Lakshmi Narayan, un couple de Grihastha, et qui était donc qui adorait Krishna, Dieu, mais dans l'opulence, avec ce sentiment de majesté, la conscience de la divinité de Dieu, de son opulence. Et Chaitanya Mahaprabhu, lui, il adorait Krishna sous sa forme de petit pâtre à Vrindavan avec Radhika, hein, Srimati Radharani et les gopis et les petits pâtres. Donc, une humeur beaucoup plus intime, beaucoup plus douce. Et un jour, il voulait amener donc, ses hôtes à sa conception. Et donc, de façon très adroite, un jour, de façon un peu espiègle, il a posé la question à 24 bâtins. Mais moi, j'adore Krishna avec Radharani. Toi, tu adores Narayan et tu es convaincu que Narayan est suprême. Oui, bien sûr, Narayan, Lakshmi Narayan, c'est le Seigneur, le père et la mère de l'univers, comme on les appelle. Hein. Dans le sud de l'Inde, ils célèbrent le mariage de Vishnu et Lakshmi. Et Mahaprabhu lui demande avec un sourire en coin un peu espiègle, mais comment se fait-il que la très chaste Lakshmi voulait danser avec mon Krishna? Alors, le 24 bata très humblement dit, Seigneur, je ne sais pas, mais s'il vous plaît, révélez-le-moi. Alors, il a expliqué, Mahaprabhu a expliqué que Lakshmi désirait participer à la danse rasa. Elle a fait des austérités phénoménales pendant des milliers d'années à Vrindavan,
Donc, quand on fait le parikram, quand on fait le pèlerinage à Vrindavan, on va de lieu saint au lieu saint. Et à un moment, on traverse la Jamuna, c'est tout un truc très joyeux avec plein de bateaux, on chante. Et ensuite, on marche à peu près 2 kilomètres à travers champs. On arrive à un tout petit village, Belvand. Et là, il y a l'endroit où Lakshmi Devi s'est adonné à l'ascèse pendant des milliers d'années. Finalement, satisfait de son austérité, son ascèse, Krishna lui a dit « Oui, qu'est-ce que tu veux ?» Elle dit « Seigneur, je voudrais participer à votre danse rasa, la danse que Krishna a avec les gopis, le jour de la pleine lune. » Alors Krishna a dit « Oui, d'accord, mais bon, il y a quelques conditions quand même. » Alors elle dit « Seigneur, je suis prêt à tout. » Eh bien, la première chose, c'est qu'il faut que tu naisses à Vrindavan. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Il faut que tu épouses un gopa, parce que tu ne peux pas danser avec moi si tu es marié avec moi. Je danse seulement avec toutes les jeunes filles avec lesquelles je ne suis pas marié. Donc, il faut que tu épouses un gopa et que nous ayons une relation extra-conjugale. Quand Lakshmi a entendu ça, ça dépassait toutes ses conceptions. Et l'idée de renoncer à être l'épouse de Narayan dans une brahmanie, elle ne pouvait pas passer au-dessus de ça. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore comme condition? Eh bien, comme toutes les gopis, toutes les jeunes paysannes, il faut que tu apprennes à faire des galettes de bouse de vache avec de la paille pour se chauffer, comme tout le monde fait. Alors, elle a dit, non, ça, je ne peux pas, non. Bon, épouser un gopa, renoncer à ma position d'épouse du Seigneur et en plus faire des galettes de bouse de vache comme une paysanne, je ne pense pas. Mais elle continue à faire des austérités en espérant que peut-être le Seigneur fléchira et imposera d'autres conditions. Mais c'est en vain puisque à Vrindavan, personne n'est le mari de Krishna. Et même les gopis se moquent de lui en disant, quand Krishna dit qu'il est Nitya Brahmachari, il est un Brahmachari éternel, les gopis lui répondent, ah oui, tu es comme les chevaux Brahmachari, les hongres, les chevaux qui sont... Ou alors des fois, elles lui disent, oh, pourquoi tu es Brahmachari? Parce que personne ne va se marier avec un garçon aussi sombre que toi. Hein? Regarde-toi, tu es noir des pieds à la tête. Quelle fille va vouloir d'un chenapan comme toi, noir des pieds à la tête? Ça, c'est l'humeur de Vrindavan. Il n'y a pas du tout de formalité. Quelque part, Dieu a un endroit où il veut goûter les relations d'amour complètement pures, sans aucune formalité. Parce que tout le monde l'adore sous la forme de Narayan. Dans tout l'univers, dans tous les systèmes planétaires, Vaikuntha, la plus grande partie du monde spirituel, tout le monde l'adore comme ça. Et d'ailleurs, dans le Chaitanya Charitamrita, dans le 4e chapitre, ou le 3e, il dit « Le monde entier m'adore » selon les principes de Aishwarya, les principes de Vedi Bhakti, Bhakti avec toutes les règles et avec la conscience de ma divinité. Mais cette affection qui est affaiblie par le sens ou la connaissance de ma majesté, de ma divinité, elle ne me contrôle pas, elle ne me satisfait pas. Par contre, quand une de mes amantes se querelle avec moi dans une querelle amoureuse, alors là, ça m'emporte le mental loin des hymnes pompeux du Veda. Krishna dit ça. C'est Krishna lui-même qui révèle son propre mental. Et donc, il est apparu sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu pour donner cette forme d'amour spontané, Raganuga Bhakti. Primaras Niryas Korite Ashvadan, Ragamarga Bhakti Loke Korite Pracharan. Rasika Shekara Krishna Paramakaruna Eduyetu Ichara Udgama. Chaitanya Mahaprabhu est venu pour 2 raisons principales. Pour lui-même, il voulait savourer toutes les subtilités de Premaras, l'amour divin. Mais du point de vue de Radharani, pas de son point de vue à Krishna. Et puis, il voulait aussi enseigner la voie qui permettait à tout le monde d'y arriver. Jeudi dernier, pendant la classe sur Madhavika Dambini, j'expliquais que Krishna, il est apparu pour manifester ses divertissements et nous attirer à lui. Par l'amour pur dont sont empreints ses divertissements. Mais il a fait seulement que montrer une vitrine. Chaitanya Mahaprabhu, le même Krishna, il est revenu en nous permettant de rentrer dans ses divertissements. Il a donné la voie qui permet de rentrer dans les divertissements de Krishna. Et cette voie, c'est l'amour spontané, Raganuga Bhakti. Et Srila Prabhupada, dans ses livres, explique bien que quand on parle de pur Bhakti,
Et Raganuga Bhakti, c'est la même chose. La pure Bhakti, c'est la Raganuga Bhakti. La Raganuga Bhakti, c'est la pure Bhakti. Donc, Mahaprabhu a expliqué donc, à Venkatabhata que sa Lakshmi, elle voulait absolument participer à la danse rasa. Donc, ça voulait dire que peut-être que quelque chose, Krishna avait quelque chose que n'avait pas son époux Narayan. Et Venkatabhata a été convaincu et il a adopté l'adoration de Radha Krishna. Parce que Krishna a cette Rupa Madhuri, cette forme merveilleuse que Narayan n'a pas. Ensuite, il a une autre opulence, il a Venu Madhuri, il joue de la flûte, il est la seule forme de Dieu qui joue de la flûte. Ni Ram, ni Nishringa, imaginez Nishringadesh jouant de la flûte, non. Il n'a pas une flûte, il n'a pas une plume de paon, il n'a pas une flûte passée dans sa ceinture. Vara non plus, Ram non plus, personne. Krishna seulement joue de la flûte, cette flûte est enchanteresse. La flûte enchantée, je crois que c'est de là que l'idée a été prise. Parce que cette flûte, elle captive tous les êtres. Je me souviens de ce disque que Prahlad avait fait et qu'on distribuait de porte à porte. Qui peut dire la beauté de la flûte de Krishna? La rivière Jamuna s'arrête pour l'écouter. Le son de sa flûte monte au ciel comme les oiseaux. La flûte de Krishna, Venu Madhuri, donc une spécialité unique à Krishna. Et ensuite, Lila Madhuri, il a des divertissements d'une douceur incomparable. Et la dernière, Prema Madhuri, il a un amour et il échange des relations amoureuses qui n'existent pas dans une autre forme. Krishna est le seul qui n'est pas marié et qui danse avec des millions de jeunes filles sur les bords de la Jamuna, non, en les appelant au milieu de la nuit avec sa flûte. Et c'est la douceur de l'amour qu'ils échangent est incomparable. Donc ça, c'est quatre madhuri, quatre spécialités de Krishna. Mais on dit que Rupa, qui correspond donc à la beauté, la forme de Krishna, la beauté de la forme de Krishna, absolument incomparable. Même Krishna en est captivé. On dit qu'un jour, Krishna était à Dwarka et il était en train de... À un moment, il a saisi son reflet dans le sol. Et il s'est dit, mais qui est cette personne fascinante? Et quand il a bougé, il a vu, ah, mais c'est moi! Mais je ne savais pas que j'étais aussi beau que ça. Il était complètement fasciné par sa propre beauté. Il a dit, mais quand je vois cette personne, j'ai envie de prendre la place de Radharani pour pouvoir goûter cette beauté. Et ce désir qu'il a exprimé une fois à Dwarka, il l'a satisfait quand il est venu sous la forme de Chaitanya Mahaprabhu. Parce que Chaitanya, il est Krishna, mais qui a oublié qu'il est Krishna, entre guillemets, et qui s'identifie complètement à Radharani et qui essaye d'approcher Krishna du point de vue de Radharani. Je crois que là, j'ai parlé pratiquement plus qu'un quart d'heure. Rasalila, tu ne fais pas le tic-tac, là, tu ne nous dis pas quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Oui, 2 minutes, pardon. Encore 2 minutes. Encore 2 minutes. Oui. Donc, la beauté de Krishna, c'est la chose la plus inconcevable. Je prends le Chaitanya Charitamrita, j'avais regardé un passage qui en parle. Merveilleuse, absolue et infinie est ma douceur. Nul dans les trois mondes ne saurait en trouver la limite. Non. Seul Radharani, par la force de son amour, peut goûter tout le nectar de ma douceur. Immaculé comme un miroir, l'amour de Radha n'en accroît pas moins sa pureté à chaque instant. Ma douceur non plus ne saurait s'épanouir davantage, mais devant ce miroir, elle brille néanmoins d'une beauté toujours renouvelée. Ma douceur est le miroir que l'amour de Radha ne cesse de rivaliser. Leur intensité continue de s'accroître sans que jamais ni l'un ni l'autre ne connaisse de défaite. Ma douceur est à jamais renouvelée et le Bhakta l'apprécie à la mesure de l'amour qu'il me porte. Si dans un miroir se reflète l'image de ma douceur, alors naît en moi le désir de la goûter, ce dont je suis incapable. Si je songe à une façon d'y parvenir, je me surprends à rechercher la position de Radhika. Donc ça, c'est la raison pour laquelle Mahaprabhu a pris cette identité de Radhika. Qui saurait montrer une douceur plus sublime que la mienne, que jamais encore nul n'a connue, et qui pour tous est source d'émerveillement.
Hélas, la vision d'une telle beauté égare mon mental et l'envahit du vif désir de s'en délecter comme Srimati Radharani. La beauté de Krishna se trouve dotée d'une puissance naturelle. Elle fait frémir le cœur de tous, hommes et femmes, et en premier lieu, celui de Sri Krishna lui-même. Et on dit que chaque fois que Krishna s'incarne, quelle que soit la planète, toutes les femmes, que ce soit des femmes humaines ou des déesses, même les planètes inférieures, même lorsqu'il a été à Nagaloka pour sauver son père Nanda, qui avait été attrapé par Varuna, toutes les princesses, toutes les femmes qui le voient sont éperdument amoureuses. Même à Dwarka, la vieille épouse de Ugrasen. Maharaj. Oui. Je suis désolée, Maharaj. Krishna, elle a voulu se précipiter pour l'étreindre, pour l'embrasser. Et ses chambellans, loin de... Non, mais, Majesté, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Donc, personne ne peut résister à la beauté de Krishna. Merci Maharaj. Excusez-moi de vous couper. Allez. La prochaine fois, on fera une classe beaucoup plus conséquente sur ce sujet, peut-être. Donc, on aurait laissé volontiers parler encore. Hein. Il n'y a pas de problème. Excusez-moi. On était prévu 4 au début, alors c'est. Oui. On suit le format. Voilà. On suit le format. Donc, Nitai, s'il te plaît. Jana Shalakaya, Tasma, Shri Gurave Namaha, Chaitanya, Pavanita, Gadadar, Shiva, Sarigor, Bhakta, Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare. Alors, parler des opulences de Krishna dans un monde athée, matérialiste, ce n'est pas quelque chose d'évident. Là, on est entre dévots, donc c'est facile. On peut s'extasier sur les gloires et la beauté de Krishna et toutes ses opulences. Mais dans un monde athée, c'est très difficile. Donc, il y a une chose que Maharaj vient de dire, que j'ai retenue, là, c'est que Krishna... C'est le jeu de flûte de Krishna qui est le seul aussi sublime et merveilleux dans tous les trois mondes. Alors, je voudrais citer juste des paroles de Nietzsche, philosophe allemand que vous connaissez, plus ou moins de nom, mais qui était réputé pour être athée et qui avait quand même sorti, c'est là, c'est dans ses écrits quelque part, je n'ai pas la citation exacte, mais je ne croirais que dans un Dieu qui danse. Exactement, j'adore cette citation. Ouais, et donc cette danse de Krishna, ce chant de Krishna sont parmi les choses qui fascinent le plus l'univers entier. Donc effectivement, comme Maharaj l'a dit tout à l'heure, on doit à Parasharamuni, dans le Vishnu Purana, l'explication de ce que sont les 6 excellences. Ou, en français, on dit plutôt excellence, hein, plutôt qu'opulence. Exactement, oui. Eshvarasya, Samagrasya, Virasya, Yashasha, Shriya, Gyana, Viragya, Yoscheva, Sannam, Bhaga, Itingana. Donc, Krishna, Dieu, la personne suprême, Bhagavan, est défini comme celui qui a pleinement ces 6 excellences, la force, la renommée, la sagesse, la richesse, la beauté et le renoncement. Bon, sagesse, connaissance, il y a plusieurs traductions hein, selon les traditions, mais en gros, on sait de quoi on parle. Alors, en ce qui concerne la force, évidemment, ce que l'on retient en tant que dévot, puisqu'on parle d'un Dieu personnel, hein, on retient les exploits supernaturels de Krishna. Quand il avait 3 mois, il a tué Putana. En aspirant à la vie de ses saints, il n'avait que 3 mois. Bon, voilà. Mais il l'a tué. Et la forme de Putana est devenue gigantesque. On a vu vraiment à qui on avait affaire. Quand il avait 7 ans, il a soulevé la colline Govardhan sur un seul doigt. Une colline, une montagne, bon, c'est quelque chose
qui requiert énormément de force. Alors ça, ce sont des... Et puis, il y a plein d'autres éléments hein, qui nous font penser à la force extraordinaire de Krishna. Pour quelqu'un qui est plus, on va dire, matérialiste, on pense à Ananta Shesha, qui soutient tous les univers, on pense à Mahavishnu, on pense à, aux différents, à ce que les matérialistes appellent aussi des fois le, enfin, ce que l'on appelle la forme universelle. Certains philosophes attachent beaucoup d'importance sur la forme universelle de Dieu, où là, tout simplement, ben, voilà, c'est assez incompréhensible hein, en ce qui concerne un Ananta Shesha qui sur ses capuchons, retient toutes les planètes de l'univers. Donc, ça requiert une force extraordinaire, et là, toutes les religions sont unanimes à reconnaître cette force spéciale de Krishna. Alors nous, elle est plus personnelle, hein, puisque Krishna, quand il vient, effectivement, il montre pour ses dévots des divertissements dans lesquels il est extraordinairement fort, et tous les dévots applaudissent quand il a sauté sur les têtes de Kaliya aussi, maîtrisé le démon Kaliya, c'est quelque chose d'inconcevable. Au niveau de sa richesse, mais c'est pareil, quelqu'un qui possède tout l'univers, tous les univers, on ne peut même pas considérer sa richesse tellement elle est grande. La richesse de Krishna quand il était à Dwarka, 16 108 palais, présents dans chacun de ses palais simultanément, donc c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. Et souvent, eh bien, si on veut comparer, parce que dans ce verset de Parashuramuni, il est expliqué qu'il possède pleinement chacune de ses excellences. Et si on veut comparer avec le monde matériel, on voit que des gens sont puissants, des gens sont forts dans ce monde matériel, mais c'est toujours très limité. Je voyais justement aujourd'hui un article passé sur la veuve de Tapie, Bernard Tapie. Alors Bernard Tapie était quelqu'un de très excentrique et riche, donc il était présent dans ce corps particulier, mais depuis qu'il est parti, il paraît qu'il a laissé que des ruines, que des dettes. Et sa femme, son ex-femme qui vit avec lui, vit maintenant avec 450 euros par mois. Et elle est accablée de dettes, ils ont tous les hôtels qu'il possédait ont été vendus ou saisis. Et voilà. Donc la richesse, même si quelqu'un est très riche, c'est limité dans le temps et c'est limité dans l'espace, alors que Krishna possède de façon illimitée toutes ses richesses. Alors au niveau de la connaissance, bon, ben, c'est pareil, si l'on veut comparer avec les hommes de ce monde, des célébrités de ce monde, des gens comme Socrate, Platon, Newton, Galilée, tous ces gens-là, Einstein, tous ces génies qui ont fait l'histoire de l'humanité, enfin de ce que l'on appelle la civilisation humaine, sont des gens qui étaient experts, qui avaient des connaissances, bien évidemment, dans certains domaines spécifiques, en général, hein, très très particuliers, dans des domaines très particuliers. Krishna est expert dans tous les domaines. Et il l'a montré. L'exemple le plus proche de nous, bien évidemment, c'est Chaitanya Mahaprabhu, hein, quand il vient sous cette forme. Mais on pourrait parler de tous les avatars de Krishna, bien évidemment. Mais le plus proche de nous, Chaitanya Mahaprabhu, qui a défait des érudits remarquables, hein, comme Keshava Kashmiri, capable de composer des versets sur le Gange de façon, je ne sais plus combien, mais un nombre illimité de versets. Et Mahaprabhu de noter en l'écoutant, en l'ayant écouté, et après de lui ressortir des irrégularités de langage, des fautes dans sa récitation de versets sur le Gange. Keshava Kashmiri était complètement abasourdi de voir cette connaissance, non seulement une connaissance qui requiert une mémoire, parce que Mahaprabhu avait tout enregistré, tout ce qui avait été dit,
il a été capable de pointer toutes les fautes qu'il y avait. Et ça, c'est seulement un exemple. Dans le Bhagavatam, on voit que comment tous les avatars ont, à différentes époques de l'humanité, énoncé le même savoir, répété le même savoir avec des shlokas, en répétant des shlokas qui avaient déjà été énoncés des milliers, des millions d'années auparavant. Donc, la connaissance de Krishna est complètement illimitée là aussi. Le Shrutidhar dans la culture védique, en écoutant seulement une fois quelque chose, était capable de s'en rappeler. Maintenant, on a besoin de smartphones, d'enregistreurs, pour pouvoir se rappeler de ce qui a été dit, et on doit tout mettre par écrit. Mais Krishna, dans ses nombreux avatars, a montré comment il était capable de se rappeler de ce qu'il avait dit, de ce que ses avatars avaient dit, des milliers, des millions d'années auparavant. Donc, on peut absolument pas comparer à n'importe quel homme de ce monde, même l'être le plus intelligent ou QI le plus développé, fait vraiment pas le figure à côté de lui. Alors, on a parlé de la richesse, la force, la connaissance, la beauté. Ben, Maharaj vient d'en parler et je ne pourrais pas en parler mieux que lui. C'est clair que la beauté de Krishna fascine les trois mondes et tu as très bien montré comment aussi dans cette beauté, il y a plusieurs sortes, on peut approcher Krishna en étant de plus en plus près de lui. Tu as parlé de Lakshmi et des gopis de Vrindavan, bien évidemment, la beauté, on dit que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, mais la beauté de Lakshmi, enfin comment Krishna était perçu, Vishnu était perçu par Lakshmi, et comment les gopis voyaient la beauté de Krishna, beaucoup de classifications là encore dans cette beauté de Krishna, comment elle est perçue par ces différents adorateurs. Et donc, cette beauté, ben évidemment, on la voit aussi, le matérialiste qui est incapable de déceler cette beauté intime de Krishna dans ses divertissements ou avec ses dévots, peut aussi voir cette beauté de Krishna dans la nature matérielle, à travers la beauté des paysages, la beauté des espèces, à travers toutes sortes de beautés que l'on voit. Mais Krishna, lui, réunit toutes ces beautés, et d'ailleurs, sans être partial même à l'espèce humaine, il est capable aussi d'apparaître comme le poisson le plus merveilleux, la tortue la plus merveilleuse, et il glorifie, c'est Bhaktivinoda Thakur qui le précise, il glorifie chacune de ces espèces animales en s'incarnant dans une de ces espèces animales. Qui bien évidemment, comme dans l'exemple de Matsya, par exemple, qui grandit de façon exponentielle, donc qui n'a aucun égal dans ce monde matériel. Donc, la force, j'ai parlé de la force, la sagesse, alors la sagesse de Krishna, comment il est capable de dénoncer le savoir védique, comment il est capable de le transmettre de génération en génération, de sage en sage, et comment il est capable d'investir aussi ses adorateurs. Cette sagesse, c'est pas, il n'en fait pas sa propriété privée, il la partage avec ceux qui lui sont très chers, donc ça aussi c'est très impressionnant. On a dans l'histoire de l'humanité beaucoup, beaucoup de sages, même dans, par exemple, la Chine très athée, très, très loin de la conception d'un dieu personnel. Eh bien, on a aussi, à travers Lao Tzu, à travers Confucius, d'exemples de sages, littéralement, qui sont encore une référence des milliers d'années après. Mais Krishna réunit tous ces êtres vivants qu'il met en pouvoir et puis tous ceux qui s'approchent de lui
pour montrer la perfection de la sagesse. Et enfin, le renoncement, eh bien, c'est certainement le plus impressionnant de tous les opulences de Krishna, puisque par cette opulence, il est capable de rejeter toutes les autres. Il n'y a rien qui soit plus élevé que moi, dit Krishna dans la Bhagavad Gita, 7e chapitre. Tout repose sur moi comme des perles sur un fil. Il est capable de rejeter toute cette opulence, de devenir un ascète. Il l'a montré en étant Bouddha, il l'a montré en étant Mahaprabhu, en dormant sur le bord des chemins, en marchant à travers toute l'Inde, en rejetant des épouses, Ram, en rejetant Sita, qui était la déesse de la fortune personnifiée, en rejetant sous la forme de Mahaprabhu, en rejetant pareil aussi une très belle épouse, pour tout simplement se donner à tous les êtres vivants. Alors, il y a un verset aussi du Bhagavatam qui est intéressant, où justement il est à propos des opulences. C'est dans le 8e chapitre, non, dans le 8e chant, c'est le chapitre 5, c'est les Devas qui invoquent la protection de Vishnu. Et ben, je vais vous lire le verset. Dieu, la personne suprême, sait directement et indirectement comment chaque chose, y compris la force vitale, le mental et l'intelligence, fonctionne sous sa direction. Il illumine tout et demeure au-delà de l'ignorance. Il ne possède pas de corps matériel, sujet aux réactions d'activités passées, et il est libre de l'ignorance manifestée dans la partialité et l'éducation matérialiste. Je cherche donc refuge au pied pareil au lotus du Seigneur suprême, qui est éternel, omniprésent et infini comme le ciel, et qui apparaît pourvu de 6 perfections dans 3 yugas, Satya, Treta et Dwapara. Alors là, Prabhupada commente d'ailleurs sur ce terme de triyugam, parce que ces opulences, ces 6 perfections, il les manifeste dans ces 3 yugas, mais dans le Kali Yuga, comme il est un avatar caché, hein, la forme de Mahaprabhu, eh bien, on ne peut pas vraiment voir ou comprendre toutes les opulences de Krishna. Elles sont là, mais il faut être vraiment un dévot pour les voir et les comprendre. Donc, voilà, c'est intéressant de voir, de commenter. Bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, sur les opulences de Krishna. Mais je crois que j'ai fait aussi les 15 minutes. Oui, c'est bon. Arrêté. Haribol. Merci. Haribol Nitai. Merci beaucoup. Maintenant, c'est les questions et les réponses pour voir si, ouais, si quelqu'un a des commentaires ou des questions à poser à Nitai Gvarsana Prabhu ou à Maharaj. Donc, qui commence? Moi, je veux bien commencer. Je me présente. Je suis mari de Rasalila, le fortuné mari de Rasalila pour cette vie. Et c'est pas vraiment une question, c'est une remarque. Des fois, quand je médite sur la beauté de Krishna, alors je me dis, mais le Seigneur Shiva, il a une beauté parfaite, le Seigneur Narayan aussi, les différents Vishnu. Alors, comment on peut être plus beau que la perfection déjà? Parce que le Seigneur Shiva, il a déjà une beauté parfaite. Comment Krishna peut être plus beau que Shiva? C'est quelque chose que quand je médite là-dessus, ça m'échappe complètement. J'arrive pas à comprendre ça. Si quelqu'un veut m'éclairer ma lanterne, Maharaj ou Nitai. Moi, excusez-moi, mais il me semble que le Seigneur Shiva, il peut avoir jusqu'à 60 qualités, parce que Krishna, il en a 64. Oui, mais donc c'est sur la beauté. On peut peut-être se dire que Krishna est plus attirant. Oui, mais comment alors, oui, ça veut dire beauté. Que le Seigneur Shiva, il est moins beau que Krishna, alors ça voudrait dire qu'il a une, il n'est pas à la beauté parfaite. C'est,
C'est quelque chose qui échappe à mon intelligence. J'arrive pas, quand je médite là-dessus, il y a un blocage. Pouf. La beauté parfaite. Déjà, la beauté, c'est pas mal. Alors, c'est vrai, c'est une remarque ou si quelqu'un veut m'éclairer. Là, on vient de voir que Bhagavan veut dire que Krishna possède toutes les excellences à la perfection. Shiva provient de Krishna. Shiva, il a un mala sur lequel il chante le nom de Krishna. Donc, il n'est pas Dieu, la personne suprême. Il est le meilleur des serviteurs. On dit dans le Bhagavatam, Vaishnavanam Yata Shambhu. Shiva est le plus grand des Vaishnavas, le plus grand des adorateurs de Krishna. Mais la beauté de Krishna surpasse celle de tous. Même Narayana ne manifeste pas une telle beauté. C'est l'exemple que je donnais tout à l'heure, où Lakshmi Devi, qui vit en compagnie éternelle de Narayana, elle était attirée par Krishna plus que par son mari. Et Narayana comme Krishna, ils appartiennent à la catégorie de Vishnu Tattva. Donc, c'est Dieu la personne suprême sous une forme ou une autre. Shiva, lui, dans sa propre catégorie, Shiva Tattva, il est le seul dans sa catégorie. Et après, il y a nous, les Jivas. Mais jamais, il n'y a aucune écriture qui dit que la beauté de Shiva est parfaite ou complète. Il est infiniment beau, mais dans la beauté, il y a également des degrés. Hein, ce que j'ai cité tout à l'heure, c'est Prabhupada l'a résumé de façon merveilleuse dans les enseignements de Sri Chaitanya Mahaprabhu, en disant, quand Krishna voit la beauté des gopis, bien que sa beauté soit déjà parfaite, il devient encore plus beau. Et elles, quand elles voient sa beauté donc grandir, elles sont encore plus heureuses, et ce bonheur les rend encore plus belles et attrayantes. Et quand Krishna les voit ainsi encore plus belles, alors que déjà leur beauté est parfaite, lui devient encore plus beau. Il est dit qu'il y a ainsi une compétition éternelle entre la beauté de Krishna et des gopis, qui sans arrêt, à cause de l'amour qu'ils se portent mutuellement, grandit. Ça n'a jamais été dit à propos du Seigneur Shiva, qui est, comme disait tout à l'heure Narayani, il possède un certain nombre d'opulences, Vishnu en possède davantage et Krishna encore davantage. Donc, dans la beauté, il y a des degrés. Elle est au superlatif dans Krishna. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça éclaire un peu, mais c'est difficile comme question. C'est difficile. Ouais. Tu as suivi la voie de Shiva auparavant ou... Non, peut-être dans une autre vie, non, mais... Non, parce qu'en fait, il médite sur le Seigneur Shiva. Donc il... Non, c'est quand je médite sur la beauté de différentes émanations de Krishna, pour moi, c'est quelque chose de mystérieux, qu'on peut être plus beau, que parfaitement beau. Si ça c'est, ça, c'est le verset qu'on citait tout de suite, c'est « Bien que la beauté de Krishna soit parfaite, elle croît davantage. Bien que la beauté de Radharani soit déjà parfaite, en voyant Krishna, elle éprouve tellement de bonheur qu'elle leur en vient encore plus belle. Et Krishna, du coup, en est encore plus belle. C'est très mystérieux. Éternellement. C'est très mystérieux quand même. C'est-à-dire qu'il faut admettre que dans l'absolu, nos trois dimensions sont très limitées. Ouais. Je me rappelle, je suis la Gaura-Govinda Maharaj, un de mes maîtres spirituels, Sikshaguru, qui disait... N'essayez pas d'appliquer votre logique de trois dimensions à Krishna qui est dans la cinquième. Ouais. Déjà, au-delà des trois dimensions, il y en a une quatrième. Pour nous, on ne peut pas la concevoir. Avec le cerveau qu'on a, on ne peut pas concevoir au-delà de largeur, longueur et profondeur. Où est-ce qu'on en met la quatrième? On ne peut pas. Ouais, c'est ça le c'est ça quatrième. Il y en a une c'est quatrième, ça qui m'échappe. C'est la transcendance. Ouais, c'est ça qui m'échappe encore. On peut pas concevoir. Avec ce cerveau-là, on ne peut pas. Tridimensionnel, on ne peut pas concevoir quatre dimensions. Et il est dit dans les Écritures, non, cette dimension, c'est Turiya, Jiva Goswami l'explique dans le Sandarbha. Ça s'appelle Turiya, et on dit Turiya Tita Gopal. Mais Krishna, il est au-delà de la quatrième dimension. Il est dans une cinquième, ou je ne sais pas, encore plus haut que ça. Mais il est déjà, bien que
on ne peut même pas concevoir Turiya, la quatrième dimension, il existe au-delà encore. Donc, il faut admettre que nos critères et notre logique n'a pas accès à la transcendance. Voilà ce qui me manquait comme explication. Merci. Il y a parmi Jvara Prabhu qui venait prendre la parole. Non, en fait, bonjour. Je voulais dire quelque chose de très simple dans la perception, en fait, parce que c'est un petit peu comme, c'est une façon exponentielle. La perception de, par exemple, de l'amour, de l'extase, ça m'est arrivé à mon tout petit niveau lorsque j'étais sur le Parikram, où j'ai parlé à Krishna. On était à Madhuvan, pieds nus, avec le Kanat Swami, et le ciel se levait, et le soleil se levait, pardon. Et en se levant, c'était vraiment, vraiment merveilleux. Il y avait une atmosphère incroyable de paix, et ce sol de Madhuvan qui était comme du miel, en fait, quand on culbutait ce sable, cette terre dans nos pieds, on avait l'impression de marcher dans une moquette qui était extrêmement douce et suave. Et puis j'avais dans la tête un cadre que nous avions laissé dans la chambre de nos filles, où Balaram et Krishna jouent au bord de la Yamuna avec les pâtres. Et je sentais ces rires cristallins autour de ces enfants qui jouent, et autour de Krishna, où il n'y avait que la félicité qui naissait autour de tout ça. Et je parlais à Krishna à ce moment-là, au Seigneur Krishna, en lui disant, puisque le temps n'existe pas, Seigneur, et que nous sommes ici dans les pas où tu jouais quand tu avais 8 ans avec ses pâtres et Balaram, je dis, puisque le temps n'existe pas, s'il te plaît, refais-moi vivre cet instant, ces instants. Et instantanément, j'ai été comme projeté dans une grâce suprême où j'ai ressenti, à mon petit niveau, cet amour divin qui est descendu à l'intérieur de moi. Et là, en marchant, j'étais comme dans une extase, vraiment en extase. C'est-à-dire, c'était vraiment une extase. C'était incroyable. Et je délectais ce moment. Et j'étais tellement touché aussi de pouvoir le ressentir que le Seigneur Krishna m'ait répondu par la grâce du maître spirituel, bien évidemment, qui nous accompagnait et des lieux. J'ai donc partagé avec un dévot qui était à côté de moi, qui marchait, et je lui ai décrit ce que j'avais vécu. Mais il m'a dit, mais tu sais, cette extase, en fait, à Vaikuntha, c'est une extase qui augmente de jour en jour des millions de fois supérieure à la veille. Donc, comment est-ce concevable dans notre esprit de pouvoir penser que ce que j'ai vécu là, je vais le revivre demain des millions de fois supérieures et le lendemain, et comme ça, éternellement. Donc, c'est des choses qui sont complètement inconcevables. Et de là, je me suis dit, oui, évidemment, on comprend après pourquoi les sages sont humbles, parce que plus on comprend qu'on ne comprend rien. Et je dirais, moi, si tu veux comprendre ce que c'est, par exemple, par rapport à la beauté, quand tu parlais de Shiva, le Seigneur Shiva, lorsqu'il marche avec Parvati dans le Braj, il y a une apsara qui passe et qui joue à la balle. On connaît cette histoire. Et elle joue à la balle comme ça, elle est rouge. Et puis Shiva, complètement désemparé, lâche la main de Parvati et court derrière cette apsara en étant complètement fasciné. Mais il n'arrive pas à l'attraper. Alors il court de plus belle. Il ne peut pas se contrôler face à sa beauté. Et alors, à un ultime moment, il va avoir ce sursaut pour attraper la cheville de cette apsara qui se transforme instantanément en Krishna. Et là, le Seigneur Shiva dit, tu ne serais pas mon maître sinon. Donc, il s'est fait rouler dans la farine, le Seigneur Shiva. Bon, c'était une façon de parler. C'était pas une apsara, c'était Mohini même. C'était Mohini Murti. Mohini, oui, d'accord. Ouais, c'est ça. Et alors, donc, quelque part, le Seigneur Shiva montre bien qu'il est en deçà de la beauté de Krishna, puisqu'il se fait fasciner par une forme de leurre, quoi.
Moi, ce que je peux dire par rapport aux perceptions qui est inconcevable, des choses très simples. On dit le chien, tu vois, c'est un exemple très simple. Le chien, il ne peut pas, il va sentir 10 000 fois plus de, avec 10 000 fois plus de capacité et de force qu'un être humain. Donc, imagine quand tu sors un bout de fromage à 30 mètres, le chien, il a déjà capté. Bon, comment est-ce concevable par rapport au cerveau? En fait, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Eh bien, moi, j'ai vécu un exemple comme ça, curieusement, en faisant de une descente de théurgie avec Enoch, l'Enochéen. Et en fait, dans la magie d'Enoch, qui est un passage de la Bible, hein, les textes d'Enoch, qui ont été enlevés, en fait, il y a des rituels où on va percevoir le son ou l'odorat ou un plaisir quelconque ou une capacité quelconque, un sens qui va être multiplié par 10, 20, 100, voire plus. Il ne faut pas aller trop loin parce qu'on peut aller vraiment dans la folie après. Et j'ai fait cette descente, cette canalisation d'énergie quand j'étudiais ça. Et il y a eu des sons et de la musique. Et je percevais le son des centaines de fois supérieurement à ce que je fais d'habitude. Et je ne peux pas qualifier combien de fois. Mais il y avait des déclinaisons de sons incroyables que je n'entendais pas en temps normal, qui étaient présentes. Eh bien, il y a des génies comme Mozart qui sont nés, ils sont pas nés génies pour rien, ils viennent d'autres planètes, ils sont des êtres très, très avancés, très évolués, et ils vont aussi percevoir des choses comme Schumann, qui vont écrire des symphonies de 45 minutes et complètement différentes de celles qu'il avait créées auparavant, ou Beethoven, qui le fait en étant sourd. Bon, ce sont des génies qui vont très, très, très loin. Eh bien, pour recentrer un petit peu tout ça, lors de cette expérience, je pouvais comprendre ce que le chien peut sentir avec son odorat multiplié par 10 000, par exemple. On dit 10 000, mais on ne sait pas, ça peut être déjà... Quand on multiplie par 10, c'est déjà énorme. Mais dans la beauté, en fait, il y a ce côté exponentiel qui fait partie de la puissance de Krishna. C'est-à-dire ce côté exponentiel qui n'est pas dans nos limites, dans notre croyance, parce que tout devient de plus en plus subtil, en fait. On parle de subtil, mais c'est des mots vains. Notre langage est vain aussi. Et donc, ne nous amène pas dans cette forme de ramification de la beauté, du goût, ou de la perception du son, ou de la perception de l'art. Imagine si ton goût se multiplie par mille et que tu aimes déjà bien manger, on va finir tous énormes à cause de ça. Eh bien, en fait, la perception, la beauté, peut être une forme exponentielle qui ne s'arrête jamais et qui peut éternellement être des millions de fois la veille. Donc, ce n'est pas concevable pour nous, en fait. Exactement. Merci. Super, hein, bravo, l'exemple de Mohini Murti là, est vraiment adapté par rapport à Shiva, hein, ça répond tout à fait à la question. Shiva est beau et fascinant, mais voilà, il a été fasciné par la beauté de Mohini, quoi. Oui, parce que Shiva avait dit au Seigneur, je n'étais pas présent quand vous avez baratté l'océan anglais avec les débats, mais donc tout le monde a vu la foule de Mohini, mais moi je ne l'ai pas vu, est-ce que je pourrais la voir? Krishna lui dit pas de problème, Krishna a disparu et tout de suite Mohini est venue charmante avec sa balle, son corps, la brise soulevant son voile, dévoilant son corps, et Shiva complètement a oublié tout. Bon, à sa décharge, on peut dire que c'était pas la Mahamaya, parce que Mahamaya elle est subordonnée à Shiva, Parvati, donc il la contrôle, il n'est pas sujet à elle. C'était Yoga Maya, c'était seulement l'énergie de Krishna qui pouvait abuser Shiva. Il n'aurait pas été abusé par une femme ordinaire. Il fallait que ce soit Krishna lui-même sous une forme féminine. Donc, ce n'était pas du tout Mahamaya, mais Yoga Maya. C'est clair que dans nos pensées, il n'y a pas de jugement, puisque ce sont des divertissements intimes en fait, qu'il a avec le Seigneur Shiva, et le Seigneur Shiva n'est pas corruptible à ce niveau-là, c'est évident. Merci. Vincent, tu t'es endormi?
Non, pas du tout, non. Ouais, j'écoute et j'adore. J'adore entendre. C'est plus que parler. C'est toi qui diriges. Donc, faut que tu me dises qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Narayani, tu veux rajouter quelque chose? J'ai écouté là, il y a beaucoup de personnes qui parlent très bien, donc par rapport à la beauté, il me semble des fois que les gopis elles disent à Krishna qu'il est noir et qu'il est pas beau en fait, hein, donc ça s'appelle Prem Kalaha, ça s'appelle une querelle amoureuse, d'accord, et c'est pour le plaisir de Krishna. Je vous disais la dernière fois, quand Krishna a dit aux gopis, je ne peux pas vous rembourser la dette que j'ai envers vous, de quelle dette il parlait? Il parlait quand les gopis le traitent de tous les noms. Oh, tu es un mithyachari, tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un coureur de jupons. Krishna dit, pour toutes ces paroles que personne n'ose m'adresser, je ne peux pas vous rembourser. Vishwanath Chakravarti Thakur a révélé. Ça, c'est le récent, enfin, un sens profond de ce verset. Non pas que parce que vous avez tout quitté, ce qui est impossible à quitter, la timidité, l'attachement à la famille, au foyer, les normes védiques, la tradition, la chasteté au mari. Parce que déjà, Krishna dit, vous avez fait l'impossible. Mais Vishwanath Chakravarti Thakur nous dit, en fait, ce que Krishna veut dire, c'est que la façon dont vous me traitez de façon tellement intime, tellement familière, je ne peux pas vous payer pour ça parce que, justement, le monde entier m'adore avec tellement d'opulence, avec tellement de crainte et de révérence que ce genre de... Alors, Srila Gaura Maharaj disait « Prema Sankuchita, Eshvarya Prema Sankuchita ». L'amour qui est empreint de la connaissance de la divinité de Krishna, de sa majesté, cet amour, il est comme shrunken, recroquevillé. Comme on peut dire atrophié. Prema Shitila, Krishna dit Naim Mora Prita, cet amour-là ne peut pas me combler, que dire de me contrôler. Je me dis, quand on entend parler des relations extraordinaires qu'on peut avoir avec Krishna, nous on se dit, on est vraiment tellement loin de tout ça. Donc, c'est comment faire le pas, quoi, je veux dire. Le pas, ça s'appelle un processus. Un processus, ça veut dire pas à pas. Srila Narayan Maharaj nous disait, il faut bien fixer le but, le sadhya. Mais c'est juste pour avoir une idée en quoi ça consiste, une idée claire. Parce que sinon, si on ne sait pas en quoi consiste le but, pourquoi est-ce qu'on va faire une sadhana pour quelque chose qu'on ne conçoit pas vraiment? Alors, on dit l'amour de Krishna, d'accord. Mais en quoi ça consiste exactement? Alors, les textes, comme dans Madhurya Kadambini, qu'on étudie ces jours-ci, ils nous révèlent la mentalité des dévots et ce qu'ils expérimentent à différents niveaux de conscience. Donc, Srila Narayana, je voulais toujours nous bien mettre l'emphase sur le but. Et ensuite, il disait, OK, maintenant, la sadhana pour atteindre ce but. Il faut bien fixer le but et ensuite la sadhana pour le pratiquer. Il disait, la sadhana, ça veut dire tous les jours, sans faillir, suivre la discipline qu'on a reçue du maître spirituel. Bhaktivinoda Thakur, il dit bien, la sadhana, c'est le moyen que Krishna nous a donné pour nous qualifier à recevoir sa miséricorde. Si on veut la miséricorde de Krishna, il faut qu'on suive la sadhana. Si on ne suit pas la sadhana, ça veut dire que notre désir de miséricorde, il est intellectuel, ou il est tiède, mais il n'est pas assez... Non. S'il n'y a pas assez de désir pour suivre la sadhana, ça veut dire que ce désir, il n'est pas assez fort. Et Srila Gaura Maharaj disait bien, si vous voulez la miséricorde, vous devez pleurer pour l'avoir. Ceux qui ont pleuré, ils l'ont reçu. Ceux qui n'ont pas pleuré, ils ne l'ont pas reçu. Ça veut dire intensité. Je n'apprends pas que c'était son génie, ce sentiment d'urgence qu'il a créé en nous. Il n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre. Maintenant, le temps passe tellement vite.
Maintenant, il faut qu'on fasse. Pas demain, pas de procrastination. Ça, c'est le mode d'ignorance, tamagun. Oui, oui. Donc, oui. Cette intensité, on doit la garder. Et pour ça, l'association des dévots, la fréquentation des dévots, le plus avancé possible pour nous motiver. OK. J'aurais une question pour Nitai, s'il te plaît. Tu as parlé de renoncement tout à l'heure. Et je voudrais savoir si, quand Krishna il a quitté la danse rasa, je voudrais savoir s'il faisait preuve de renoncement. Si c'était renoncer ou alors si c'était quelque chose de... On peut parler de renoncement, mais on peut parler aussi de jeu pour intensifier les sentiments avec ses dévots ou ses dévotes. Ce n'est pas vraiment un renoncement comme on peut le concevoir dans ce monde matériel. Non, c'est enfin, Maharaj a peut-être une autre explication à donner, mais je ne pense pas qu'il s'agit de renoncer vraiment à la danse rasa, au contraire, pour intensifier les sentiments de la danse rasa. Oui, et c'était aussi pour montrer à toutes que sans la présence de Radharani, il n'était pas intéressé. Le Bhaktivinoda Thakur, il a ce chant, Shatakoti Gopi. Des millions de gopis s'efforcent de séduire Krishna, mais en l'absence de Radharani, la danse rasa est complètement vide. Donc, pour glorifier Radharani, pour montrer qu'elle est la plus élevée, aussi bien dans l'union que dans la séparation, Krishna a fait ces arrangements-là. D'ailleurs, c'est pour la même raison qu'il l'a quittée d'un coup. Il est parti toute seule avec elle, et ensuite, il l'a laissée elle-même. Alors il y a une explication, on pourrait rattacher ça au renoncement, parce que l'autre jour on disait un autre nom pour la danse rasa, c'est Kama Vijay rasa, lila, la lila qui détruit la concupiscence. Cupidon avait juré de soumettre Krishna, donc quand est venu le printemps Vasanta, il a manifesté toutes ses armes. Le printemps avec ses parfums, le rasa, la sève qui monte, tous les êtres, tous les couples d'animaux, de paons qui s'appellent, les coucous, tous les oiseaux. Et donc, ça crée une atmosphère très, très stimulante pour la concupiscence. Donc, Kamadev s'est dit, là, je vais vraiment avoir Krishna. Et toutes les gopis étaient rassemblées, des millions de jeunes femmes les plus belles qui puissent être imaginées. Et là, Cupidon s'est dit, ça y est, maintenant, Krishna va tomber dans mon panneau. Et Krishna était complètement, apparemment, fasciné par les gopis. Il mettait parfois ses bras autour du cou des gopis en disant, s'il vous plaît, ne me laissez pas, ne me laissez plus jamais tout seul. Et puis, Kamadev, quand même, il disait, oui, mais il manque quelque chose. Alors, on dit qu'il a fait l'arrangement, que Radharani, tout d'un coup, s'est dit, Krishna me dit toujours que je suis la plus chère à son cœur, mais là, il est en train de traiter toutes les autres également égales à moi. Donc, elle a manifesté, parce que les gopis, elles avaient techniquement ce qu'on appelle Sobhagyaman. Toutes les gopis se sentaient les plus fortunées. Puisque Yogamaya cachait à chaque gopi la présence des autres Krishna, chaque gopi ne voyait que le Krishna qui dansait avec elle. Et donc chacune pensait, je suis la reine de la soirée, je suis la fille la plus fortunée de l'univers. Donc elles ont développé un certain man, un certain orgueil. Et Radharani a décelé ça en disant, hey, Krishna qui dit que je suis sa chérie la plus élevée, et maintenant il traite toutes les autres égales à moi. Non, comme une bouderie moqueuse, une bouderie coléreuse, elle a fait ce qu'on appelle man et elle est partie. Et là, Cupidon s'est dit, là vraiment, maintenant qu'elle est partie, Krishna va aller la rejoindre, là je vais pouvoir les avoir. Je vais pouvoir avoir Krishna. Donc Krishna, effectivement, a suivi Radharani, l'a rattrapé, ensuite l'a traité avec beaucoup de douceur, accueilli des fleurs pour lui faire une guirlande. Et Radharani pensait, oui, pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, toutes mes amies, elles ont aussi tout laissé pour Krishna. Maintenant, je suis seul à me délecter de sa présence.
pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas aussi s'en réjouir. Donc, elle a fait semblant d'être fatiguée en disant, écoute, tu ne peux pas faire un pas de plus si tu veux me porter, sinon je ne peux pas. En pensant, comme ça, elles vont pouvoir nous rattraper. Et Krishna, lui, pensait le contraire. Il pensait, si toutes ces gopis viennent, elles vont toutes être dans une humeur opposée parce que je suis parti toute seule avec Radharani. Ça va prendre beaucoup, beaucoup de temps à les pacifier toutes et tout notre plaisir de la danse rasa va disparaître. Donc, à ce moment-là, à la grande déconvenue de Cupidon, alors que Krishna était avec Radha, la plus belle de toutes les gopis, il l'a laissée. C'est pour ça qu'on dit que cette danse rasa, Cupidon est complètement vaincu par Krishna. Kama Vijay Lila. Kama Vijay Lila. Donc on peut dire que Krishna, quelque part, on peut dire que Krishna a renoncé à la compagnie des gopis et même à celle de Radharani sous cet angle-là. Mais je n'ai jamais entendu dire que c'était un exemple du renoncement de Krishna. Je n'ai pas lu ni entendu les acharyas en parler. Comme disait Nita et Gaurasundara Prabhu tout à l'heure, c'était en fait pour accroître les sentiments, aussi bien ceux des gopis que spécialement ceux de Radharani. Donc, on peut prendre cet exemple sur tous les aspects des divertissements de Krishna. Par exemple, les divertissements avec Jatila, Kutila, les divertissements avec les Ngopa, quand il va dans la forêt, qu'il laisse Radharani. On peut avoir ces exemples-là ou pas? Tout ce que fait Krishna, ça remplit, comme on dit dans la Bhagavad Gita, le but rempli par plusieurs petits réservoirs d'eau est comblé par l'océan. Hein. Ça, Krishna, avec une activité, il fait différentes choses. Nous, on a du mal à se concentrer sur une chose. Hein, des fois, on dit faire d'une pierre deux coups, mais Krishna, lui, il ne fait pas d'une pierre deux coups. D'une pierre, il fait 100 coups ou plus. Donc, une activité comble différents buts. Donc, on peut effectivement méditer ainsi que Krishna accroît sans arrêt il baraque le cœur de ses dévots pour faire ressortir encore plus d'affection. D'ailleurs, c'est ce qu'il a d'abord dit aux gopis quand il a disparu et que les gopis ont commencé à chanter Gopi Gita, à sortir de tous les sentiments les plus exquis d'amour de leur cœur. À la fin, Krishna ne pouvait pas tolérer, il avait tellement d'amour que ça l'a forcé à revenir. Et là, les gopis ont commencé à le châtier un peu en disant « Oui, tu es un drôle de coquin, un drôle de chenapan, comme ça, etc. » Et d'abord, Krishna lui dit en fait « Oui, mais je fais ça pour accroître l'amour de mes dévots. » Il a donné l'exemple, si un pauvre, par exemple, trouve un diamant, alors il se réjouit en pensant « Tous mes problèmes de pauvreté sont terminés. » Il noue le diamant dans un coin de son habit en pensant qu'il va le vendre, etc. Et puis, il perd son diamant. Alors là, sa lamentation est complètement illimitée. Et Krishna a donné cet exemple aux gopis. Je fais ça pour accroître l'amour de mes dévots. Et après, Krishna a dit, mais en fait, c'est vrai que j'ai mal agi parce que vous êtes déjà parfaite, il n'y a pas d'amour supérieur au vôtre. Je ne vis à Vrindavan que pour vous. C'est seulement à cause de votre amour que je suis là à Vrindavan. Donc, en fait, j'ai eu tort de vous traiter comme des dévotes ordinaires parce que vous n'êtes pas des dévotes, vous êtes la dévotion suprême personnifiée. Krishna s'est excusé. Mais d'abord, il a dit, oui, c'est ce que je fais d'habitude pour accroître les sentiments de mes dévots. D'accord. C'est une belle méditation. Mmh. Et surtout dans notre voie où on dit qu'on cultive la voie de la séparation, le service dans la séparation. C'est la voie de Mahaprabhu. Donc, on peut méditer sous cet angle-là. Être séparé du gourou, ou bien on l'oublie, il n'est pas question, ou bien alors on approfondit cette séparation. C'est un sentiment, on peut dire, bittersweet, aigre doux. Il y a une douceur parce que ça permet d'aller plus profond et en même temps c'est amer parce qu'il y a l'absence. Mais c'est la voie de Mahaprabhu. Et je me rappelle, Srila Gaura Gauraya disait, si on ne veut pas
passer par le feu de la séparation, on ne pourra pas connaître l'union. Parce que le feu de la séparation, il purifie de toutes les impuretés de tous les anarthas. Et Srila Bhakti Vaishnava Srila Maharaj disait, en fait, ce sentiment de séparation, c'est la plus grande protection. Parce que quand tu ressens la séparation, tu ne peux pas être dans Maya. C'est la plus grande protection. D'accord. Il donnait l'exemple d'une une mère dont le fils revient tous les jours de l'école à 4h30. Et là, 4h30, il n'est pas là. 5h15, il n'est pas là. 5h, il n'est toujours pas là. 5h30, elle n'en peut plus d'anxiété. Elle envoie son frère aîné, va le chercher. Il revient à 6h30 sans l'enfant. Qu'est-ce qu'elle est en train de penser, la mère? Est-ce qu'elle est dans le mood de shopping, le mood de plaisanterie, le mood de... Non, elle n'a qu'une idée en tête. Où est mon fils? Rendez-moi mon fils. Et Srila Maharaj donnait cet exemple-là, et Srila Narayana Maharaj le même. La séparation, ça permet d'intensifier les sentiments au paroxysme. Et comme je l'ai juste mentionné, ce feu de la séparation, c'est ça qui va nous purifier. Sinon, tout va bien. On a bu l'alcool de Maya depuis tellement longtemps qu'on ne se rend même pas compte de notre position. On ne voit pas combien on est ficelé, point et pied, point par Maya Devi. On ne voit pas que le temps passe et le temps, il n'épargne rien ni personne. Le temps ne nous donne pas l'opportunité de faire notre sadhana. Oh non, ça va, tu as tout le temps. Non, non. Le temps, il s'en va, il s'en va, il s'en va, il s'en va, il s'en va. Il nous rapproche à chaque fois du bout. Et ça, quand on, au moment de la mort, la seule chose qui comptera, ce sera notre niveau de conscience. Et il dépend de notre pratique. Donc, l'idée, toujours, c'est de déguiser le désir. Et la séparation, on dit que c'est le meilleur moyen. Okay. Merci, Marie. Merci, Rasalila. Ah, excuse-moi. Vas-y. Si vous voulez quelque chose, en fait, pour donner, avoir une compréhension qui nous vient comme ça, par rapport au, pour intensifier les choses. On intensifie par rapport à nos sentiments et par rapport à nos sens. Parce qu'on se rend compte que certains sens, s'ils sont, ou certaines fonctions, si on les annihile, quelque part, ça devient vital. Par exemple, il y a un grand maître aussi qui s'appelle Socrate, et il y a un de ses disciples qui lui dit « Seigneur, comment puis-je atteindre la sagesse ?» Et ils sont au bord d'une rivière, et Socrate, il ne lui répond pas, il lui prend la tête et il lui plonge la tête dans l'eau. Alors, la tête dans l'eau, il la tient, il la maintient. Son disciple se débat, et puis à l'ultime moment où il sent qu'il peut quitter son corps, il le relève. Et là, le disciple reprend ses esprits, et Socrate lui dit « Qu'est-ce que tu voulais quand tu étais sous l'eau ?» Il lui dit « De l'air !» Là, quand tu voudras autant d'air que tu veux la sagesse, tu auras la sagesse. Ouais. Et ben, en fait, c'est habituer certains canaux de nos nadis à être dans ce cheminement. Évidemment, par le cœur, par les divertissements intimes du Seigneur Krishna, ça prend une autre dimension. Mais pour intensifier les choses, il faut trouver un courant et twister ce courant pour s'en servir avec un autre. En fait, créer un chemin. Si j'ai compris, en fait, que je veux atteindre un but et que j'ai cette envie d'atteindre ce but, mais pas autant que je voulais d'air, bah, ça me montre le degré, en fait, entre ce que je veux atteindre et quel niveau il faut que je, à quel niveau il faut que je sois, que j'atteigne pour atteindre cette chose. Oui, c'était une petite parenthèse. D'accord. Merci, Parmesan. Vraiment. Nitaï, tu voulais rajouter quelque chose? Ah oui, je voulais te remercier de nous avoir conviés. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on mange? Moi, c'est pour le plaisir
de voir les dévots et de, d'entendre Arikata de la bouche, les dévots que j'organise ces réunions. Parce que... Ah, tu dis que c'est égoïste, c'est juste pour toi. Non, ah non, non, c'est parce que je sais que... Tu m'avais dit, non, mais si tu fais Arikata en français, pourquoi tu ne fais pas en français? Il y aura plein de viandes, plein de dévots qui vont venir, je suis sûr que ça va m'intéresser. D'accord, non, en fait, c'est... Non, parce que je sais qu'il y aura un service. Pourquoi tu voulais... Non. D'accord. Je note. C'est parce que les dévots, les dévots sont le cœur de Krishna, donc forcément, leurs enseignements sont aussi bénéfiques. Mais je te suis très reconnaissant d'organiser comme ça des programmes où on peut parler. Moi, je parle en espagnol ou en anglais russe, mais une classe par semaine en français, merci. Bah, pas de problème. Ouais, merci. Ah oui, il y a Narayani qui a posé cette question. Renoncement, non, ce commentaire. Est-ce que c'est pareil que le détachement? Parce qu'en fait, on dit bon, Krishna, il a tellement d'opulence, il a des milliers d'épouses, etc. Mais il n'est pas attaché, donc c'est peut-être là l'aspect de son renoncement aussi. Le renoncement donne le détachement. Mm. Si tu es renoncé, tu peux te détacher. Mais c'est le renoncement à la base. Le détachement, c'est la conséquence du renoncement. Ce n'est pas vraiment un synonyme. Okay. Enfin, c'est ma compréhension. Vital, qu'est-ce que t'en dis? Oui, absolument. Bon, il explique aussi dans la Gita que il est présent dans toute chose, mais en même temps, il est hors de toute chose. Donc, c'est aussi un autre aspect sur lequel on pourrait creuser ça. On peut pas, tu en parlais tout à l'heure, de ce monde tridimensionnel. On ne peut pas comparer la notion de renoncement à un autre niveau, à un autre petit niveau, et celui de Krishna, quoi. C'est impossible. Mais je veux dire, par rapport à ses opulences, comme c'est une de ses 6 opulences, le fait qu'il ait des milliers d'épouses, des milliers de palais, etc., mais il n'y est pas attaché, en fait, donc c'est peut-être une caractéristique de du fait qu'il soit renoncé. Le renoncement entraîne le détachement, c'est tout à fait. Oui. Parce qu'il est renoncé, il est détaché. Oui. Quelqu'un peut être détaché parce qu'il développe l'excellence, comme dit Nitai, plutôt que l'opulence, l'excellence du renoncement. Dans la proportion de ton renoncement, tu peux être détaché. Dans la proportion de ton non-renoncement, tu n'arrives pas à te détacher. Et moi, il y a quelque chose dans le détachement, il peut venir aussi, je dirais, du dégoût. Par exemple, pas forcément le détachement matériel, mais le détachement d'une chose qui nous hante. Si un jour on en est dégoûté, eh bien, par la vie, par exemple, ou comme c'est dans les enfers, quand on vit une expérience infernale, en fait, on est dégoûté et ensuite on est détaché aussi. On y renonce. On est dégoûté, donc on y renonce. Donc, comme on y renonce, on est renoncé, on devient détaché. Il n'y a pas un rasa aussi qui est le rasa de l'horreur? Oui, un rasa indirect, c'est vrai. C'est un rasa indirect, voilà. Ghastly rasa. C'est vrai qu'on ceux-là, on ne les traite pas trop, les rasas indirects. C'est vrai. On est moins. On sait qu'ils existent, on les a lus, entendu parler, mais c'est un sujet que je ne peux pas me souvenir de quelqu'un qui en traite. On le cite comme ça, comme tu dis, ah tiens, il y a aussi le. Je ne sais plus comment ça se dit en sanskrit d'ailleurs. Non. Rasli, Rasa, Rudra, non. Rodra, non. Rodra, c'est la colère. Comment on dit? Non. Je m'en souviens pas. Il y a un dévot qui avait cette race avec Mahaprabhu, c'est comment il s'appelait? Paramananda. Comment c'était son nom?
Jagadananda. Jagadananda, oui. Ce n'était pas un renoncement d'horreur. Oui, c'est sûr. Un renoncement d'horreur. Oui, oui. Jagadananda Pandit, c'est Satyabhama dans Krishna Lila, je crois. Ouais. C'était comme une humeur un peu de femme contrariée. Il ne pouvait pas supporter que Mahaprabhu renonce. Évidemment, si sous la forme de Satyabhama, elle connaît Krishna dans toute son opulence de Dwarka. Donc, pour lui, c'était insupportable que Mahaprabhu pratique le renoncement. Donc, il voulait toujours faire des arrangements pour que ça soit moins austère. Et Mahaprabhu n'acceptait pas. Ce n'est pas lui qui a cassé un pot d'huile devant Mahaprabhu. Ouais, c'est ça, exactement. Il avait acheté de l'huile très, très coûteuse pour Mahaprabhu. Et Mahaprabhu dit, mais je ne suis pas un sannyasi tantrique, qu'est-ce que je vais mettre du parfum, de l'onguent. Et de David Jagananda a renversé la jarre qui coûtait une fortune. Et Mahaprabhu l'a châtié. Comment? Pourquoi est-ce que tu aurais pu l'utiliser pour le service du Seigneur? C'était un autre rasa. Oui, il y a les cinq rasas et les sept rasas secondaires, c'est ça, hein? Oui. Mais on en parle très peu. Hein? Le chevalerie, l'horreur. Et je voulais demander à Prabhu Nitai Gorasundar, quand tu as expliqué que Krishna, c'était manifestation de sa force quand il a tué Putana, il a sauvé la colline Govardhan. En fait, il paraît que ce n'est pas vraiment Krishna qui a fait ça, mais c'est plutôt Mahavishnu. Mm-hmm. Bon. Voilà, non, c'est tout. On dit que quand Krishna descend, tous les avatars descendent en lui, et ce n'est pas Krishna qui tue, c'est Vishnu qui tue. Hein? Quand Trinavarta, le démon tornade, a emporté Krishna dans les airs, après, Krishna s'est fait très lourd et il l'a fait tomber. Mais après, Krishna dit, moi, je n'ai rien fait. Hein. J'ai vu les oiseaux, je voulais voler comme eux. Ce démon est arrivé, ben, j'en ai profité pour aller dans les airs. Et puis après, ce gros bêta, il est tombé. Moi, je n'y suis absolument pour rien. Hein. Effectivement, c'était Vishnu qui l'a tué. Vishnu tue les démons, pas Krishna. C'est bien, on a toujours des explications pour tout. Ah non, mais c'est pas tout. Ah oui, c'est Vishnu. Krishna, il est toujours merveilleux avec sa flûte. C'est un petit garçon. Narayana Maharaj disait, quand vous avez des désirs, n'approchez pas Krishna. Ne chargez pas Krishna avec tous vos désirs. Allez voir Govardhan. Krishna, c'est un tout petit garçon de 7 ans. Il est tout fragile, etc. Allez voir, Govardhan, c'est une grosse colline. Elle peut tout supporter. Ben, merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. Là, c'est à 1h30. Merci à ça fait 1h30. On est à classe. Merci infiniment. Ouais, c'est pas merci grave. Aux orateurs. En tout cas, merci beaucoup. Et puis... merci beaucoup à Nita Gorasundar Prabhu et puis Bhaktivedanta Sudadviti Maharaj d'avoir accepté de nous partager ce kata. Merci pour l'organisation. Merci aux participants aussi d'avoir bien voulu venir. Excusez-moi à Maharishi Das et puis Borgo. Prabhu, je ne sais pas qui c'est. Borgo Prabhu, c'est Rajadharma. Ah bon, d'accord. Okay. Il est là? Moi, je ne le vois pas. Oui, il est là. Il y a Maharishi Das, pardon. Excuse-moi de ne pas vous avoir fait participer, mais je ne vous avais pas vu avant. En tout cas... On laissera se rattraper jeudi prochain pour Madhu Academy. Oui, c'est ça. C'est ça. Merci. Jeudi prochain, tu prépares ton intervention. OK. Allez, bon, merci beaucoup. Merci, Rassalila. Merci.